beaucoup mes idoles, bienvenue à Glogan Kokobo. Je suis Maman Kokobo. À tous mes abonnés, je vous dis un grand merci. Si vous n'avez pas encore appuyé sur la cloche de notification, faites-le pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Dans cet épisode d'aujourd'hui, je vous montre deux DIY de deux laits blanchissants. Ok, mes idoles, je ne conseille pas trop ce lait pour mes idoles et Ben. Mais si vous insistez à utiliser, si mes idoles et Ben insistent à utiliser ce lait, regardez bien la vidéo. J'ai tout dit dans la vidéo. Comment vous devez faire tout. Ok, mes idoles, je voulais mentionner quelque chose. Le lait, les deux laits, l'un au clobétasone et l'autre à l'hydroquinone. Ok, mes idoles. Donc, celui du clobétasol, vous devez utiliser 6 crèmes dans les 2 semaines. 6 tubes crème dans votre beurre de karité dans les 2 semaines. Ok? Ne dépassez pas 6 crèmes. Lorsque je préfère que vous faisiez une composition. Lorsque ça finit, vous faites encore ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, par exemple, si vous utilisez une crème tube de clobétasol, prenez n'importe quel tube de votre choix. Si vous utilisez une crème tube de votre choix, ok, mettez ça dans 50 g de beurre de karité. Ok, mais dans les 2 semaines, ne dépassez pas 6 crèmes. En plus, mes dolls, la crème là, c'est pas pour le visage. Interdit pour le visage. Ne mettez pas. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment accompagner ça avec une crème de visage. Ok? Si vous n'avez pas compris quelque chose, laissez-moi ça en commentaire. Bientôt, nous serons à 1000 abonnés. Si ça vous dit, nous allons faire un live. Ok? Nous allons faire un live. Donc, si vous êtes intéressé, mettez-moi aussi ça en commentaire. N'oubliez pas de commenter la vidéo. Tout ce que vous n'avez pas compris, mettez-moi ça en commentaire, les filles. Je vous aime. Si vous aimez tout ce que je suis en train de faire sur ma chaîne, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous pour m'encourager. Si vous m'encouragez en abonnant, je fais plus. Ok, je vous donne plus de moi. Ok, mes dolls. Donc, je vous aime. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et de partager la vidéo. Ok, à plus! Coucou mes dolls, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Maman Kokobo. Mes dolls, il est 3h du matin. Donc, je suis là pour notre lait blanchissant. Dans cet épisode, nous allons faire composer deux laits. Nous allons composer deux laits blanchissant, ok, pour 2 semaines. Je suis là, il est 3h du matin, je suis là à cause de vous. Anything for my subscribers, parce que vous êtes mes soeurs, je vous aime, donc je ferai tout pour mes abonnés. Donc sans plus tarder, je vais vous introduire à ce qu'on va utiliser. Ici, j'ai ma beurre de karité ici, là, dans mon bol bien clean, parce que on ne veut pas de germes dans notre composition. Nettoyez bien vos bols et puis vos cuillères. Ici, j'ai la beurre de karité fondue à bain-marie, ok, réfrigérée. J'ai réfrigéré ça 2 à 5 minutes, ok, mes dolls. Donc, sans plus tarder, je vais vous introduire à mes crèmes que je vais utiliser dans cette composition. J'ai la crème Nutritone ici. J'ai la crème Olibat qui est un anti-réaction. Si tu n'as pas encore regardé ma vidéo de mes ingrédients clés, vas-y faire un tour rapidement. Ici, j'ai Alloderme, la crème Alloderme. Ici, j'ai la crème Fébicide, ok, la crème Fébicide, la crème Olibat joue le même rôle. Si vous n'avez pas ces deux crèmes, vous pouvez utiliser la crème Famadem. Je vais mettre ça sur l'écran, ok.
Donc, sans plus tarder, j'ai fondu ma beurre de karité parce que je ne veux pas vous perdre de temps. Ok? Donc, je filme toujours avec une seule main. Donc, je vais mettre ma crème. Moi, j'ai choisi Neutrotone. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle crème de votre choix. Dans mon bol, j'ai 50 grammes de beurre de karité. Ok, mes dolls. J'ai 50 grammes de beurre de karité fondu à bain-marie. Donc, c'est ça. Sinon, ici. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle crème, pas de gel, hein. N'importe quelle crème de votre choix. Ok? Ok, mes dolls. Nous avons besoin d'une crème au clobétasol. Ok? Donc, vous allez utiliser une seule crème dans 50 grammes de beurre de karité. Ok? Je vais bien mélanger ça et je vais revenir. Donc, j'ai déjà mélangé, mais ne vous inquiétez pas, je vais utiliser mon robot après pour bien mélanger ça. Donc, vous pouvez utiliser si vous avez un robot, vous pouvez utiliser ça. Si vous n'en arrivez pas, prenez votre temps pour bien mélanger votre composition. Ok? Ok, maintenant, par la suite, je vais mettre cette crème, la crème New Light. Je vais mettre un peu parce que le clobétasol marche bien avec de l'acide. Oui, de EHA. Cette crème est faite à base de l'acide salicylique. Ok, mes dolls, je vais utiliser un peu seulement, juste une pompe dans ma composition. Juste une pompe comme ça. Vous avez vu. Excusez-moi. Ok. Vous avez vu ça? J'ai utilisé un peu seulement. Ok? Après ça, ne vous inquiétez pas. Comment dire? Je vais mélanger ça avec mon robot après. Donc, je vais vous introduire aussi mon olibats. Ok? Mon olibats, vous allez mettre la même quantité. Vous allez mettre la même quantité que. Parce qu'on ne fait pas beaucoup de composition. Notre composition, c'est seulement 50 grammes. Donc, pour notre anti-réaction, nous avons besoin aussi un peu seulement. Ok? Une pompe. Ok? Quelque chose comme ça. Oui, c'est déjà bon. Maintenant, nous avons besoin, si vous n'avez pas, j'ai déjà dit, si vous n'avez pas cette crème Olibat, vous pouvez utiliser Famadem crème. Je vais mettre ça sur l'écran. Ok? Par la suite, je vais utiliser mon Skin Free Milk. Lorsque vous utilisez votre Skin Free Milk, agitez ça bien, correctement bien. Agitez ça bien. Parce que ça descend en bas de la bouteille. Donc vous avez besoin de mélanger, de bien secouer avant d'ouvrir. Donc j'ai besoin de mon Skin Free Milk. Oui, le nom c'est Skin Free Milk. Ok, c'est un concentré ici. Vous avez vu, extra bleaching oil, huile extra éclaircissant, active ingredient, néomycine, base 400%. La société, là, au moins, il nous a pas menti, hein.
Il a dit qu'il a utilisé 400%. Vous voyez comment c'est fort. Je vais revenir sur ça dans une autre vidéo, sur les concentrés, quoi. Sur les concentrés, vous voyez, dans une de mes vidéos, j'ai un peu parlé des concentrés. Donc, allez-y, regardez mes vidéos précédentes. Donc, la société l'a dit, 400%. Vous avez vu un peu, non? 400%. Vous voyez le pourcentage de clométasol, de stéroïdes dans ce machin. Hein? Vous avez vu, non? 400%. Au moins, la société là a été honnête avec nous. Donc, les filles, tout ce que vous voyez sur le marché là, hein? Tout ce que vous voyez sur le marché, éclaircissant, blanchissant là, il n'y a rien de naturel dedans. Période. Hein? Il n'y a rien, rien de naturel là-dedans. Soit c'est le clobétasol. Au fait, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour ça. Donc, il n'y a rien de naturel dans l'éclaircissement, dans le blanchissement de la peau. Donc, tu vois, la société là dit 400%. Hein? OK? Donc, je vais revenir sur ce sérum là dans une autre vidéo. Donc, nous allons utiliser 2 cuillères. Nous allons utiliser... Je filme. C'est difficile, hein? Je filme avec une seule main. Donc, excusez-moi pour ça. Excusez-moi pour ça. Parce que la fête s'approche. Je dois vite faire pour que vous soyez toutes belles avant la fin de l'année. Je vais utiliser 2 cuillères comme ça. OK, mesdames. Nous allons utiliser 2 cuillères. Parce que Skin Free Milk est trop fort. Si vous ne savez pas comment utiliser ça, ça va vous abîmer la peau. OK, mesdames. Nous avons utilisé 2 cuillères dans notre mélange. OK. Par la suite, l'huile Edgar. OK. Une très bonne huile. Contient le kojic acide, de l'amande douce, etc. Tea tree oil, aloe vera, lemon oil, coconut oil, coconut extra, tocopherol, la vitamine E. Donc, c'est ça. Okay, mes dames, si vous êtes ébène, tout ce que je suis en train de faire par ici, excusez-moi, je viens. Si vous êtes ébène, cette composition, vous allez prendre 100 grammes. Je dis bien 100 grammes pour votre composition. Je dis bien, si vous êtes ébène, marron, caramel, vous devez prendre 100 grammes de votre beurre de karité. Je mets 1 cuillère seulement, OK? Pour l'huile Edgar, je mets 1 cuillère, OK? Par la suite, je mets mon huile citrocaire. Citroclair sérum, OK. Ce sérum est tellement concentré, donc vous ne devez pas abuser, OK. Ce sérum, je vais revenir tout sur ce sérum là que je suis en train d'utiliser dans cette vidéo. Je vais revenir ça aussi à base de l'acide kojique, acide ascorbique qui est la vitamine C, OK. Donc, je vais revenir sur ça. Nous avons besoin de 10 gouttes. OK, mesdames. Nous avons besoin de 10 gouttes seulement parce que c'est concentré. OK. C'est un sérum concentré.
C'est bon. Une seule main, hein. Excusez-moi pour ça. Une seule main, c'est ça qui fait le travail là. Je n'ai pas encore acheté mon ring light. Vous allez m'excuser à cause de ça. Ok, maintenant. Ici, l'huile tiacho. Aussi, à base de beurre de karité. Ok, je vais mettre 10 gouttes. Ok, ok, c'est déjà bon. Je vais mettre 10 gouttes. Par la suite, si vous êtes ébène, marron, marron clair, utilisez le double de la beurre de karité que j'ai utilisé dans cette vidéo parce que vous ne voulez pas abîmer votre peau. D'abord, avant de commencer à utiliser cette composition que je suis en train de faire dans cette vidéo, tu dois faire au moins reposer ta peau au moins pour 2 semaines en faisant le gommage en hydratant à fond. D'abord, ne venez pas après moi que je vous ai montré quelque chose qui a abîmé votre peau. Je vous le dis maintenant. Ok, mes dolls, si vous reposez votre peau pour 2 semaines et que vous utilisez cette composition là, vous aurez de très 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 bons résultats. Cette composition que nous sommes en train de faire dans cette vidéo, c'est pour seulement 2 semaines. 2 semaines. Et dans cette vidéo, nous allons faire la composition de 2 laits. 2 laits. Ok? Par la suite, je mets mon sérum Skin Perfecto. Ce sérum, c'est contre les quintos que je vais revenir dans une autre vidéo, ok, vous détailler un peu à base d'œufs, ok, à base d'œufs. Nous allons prendre aussi une cuillère. Cette cuillère, la cuillère que je suis en train d'utiliser dans cette vidéo, c'est 5 ml, ok. C'est 5 ml. Nous allons utiliser aussi une cuillère de ça. Ok? Une cuillère. Ok? Lorsque vous ajoutez vos ingrédients actifs, essayez chaque ingrédient que vous mettez, essayez de mélanger. Ne faites pas comme moi. Moi, c'est parce que je suis en train de filmer avec une seule main. Ne faites pas comme moi. Si vous ajoutez un sérum ou bien une huile, vous mélangez. Ok, ok, mes dolls. Donc, maintenant, nous allons utiliser nos huiles protection. Ok, ici, j'ai le bao oil. Nous allons utiliser une demi-cuillère de l'huile bao oil. Ok, ok, mes dolls. Une demi-cuillère, ça fait 2,5. Nous allons utiliser une demi-cuillère de bao oil. Ok, mes dolls. Nous allons utiliser une demi-cuillère de bao oil. Nous allons utiliser notre glycérine, aussi demi-cuillère. Ok, mes dolls. Aussi demi-cuillère. Notre glycérine. Ok, aux carottes. Demi-cuillère. Parce que fini la glycérine là. Ok, mes dolls. Demi-cuillère de glycérine. De votre choix. Ok, mes dolls. Vous mélangez correctement votre composition. Nous allons utiliser aussi par la suite tea tree oil qui est l'huile d'arbre à thé. Ok, nous allons utiliser 3 à 5
gouttes dans notre composition. Ok, mes dolls. Ok. Aou! Ne vous inquiétez pas. I got you. Une seule main. Oh, ne faites pas comme moi. Ok. Utilisez. Utilisez 3 à 5 gouttes seulement. Oui. Ok. Mm-hmm. Maintenant, nous allons utiliser notre pénétrateur, le propylène glycol. Ok. Nous allons utiliser le propylène glycol, une cuillère aussi. Ok. Une cuillère aussi. Wow. Ok, mes dolls, je suis allée bien mélanger ça. Regardez-moi un peu ça. Regardez-moi ça. Yummy. Regardez-moi ça. C'est crémeuse, ok? Par la suite, je vais mettre mon huile traitant, ok? Mon huile traitant, c'est qui contient des plantes, des extraits de plantes, et puis c'est un huile traitant, c'est un huile raffermissant, ok? De vite gauche, je vais revenir ça, surtout ce que je suis en train de tous les huiles, nos activateurs que je suis en train d'utiliser dans cette vidéo, je vais revenir sur ça. Ok? Ok, mes dolls. Je vais revenir sur ça. Une seule main, ça ne veut pas ouvrir. Donc, je vais mettre ça hors caméra. Ok? Ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas l'huile là, vous pouvez utiliser l'huile Nature Secret. Je vais mettre ça sur l'écran Nature Secret. Oui. Ok, mes dolls, ne vous inquiétez pas. Mettez, si vous prenez, si vous n'avez pas l'huile là, cette huile là de Vite Gold, prenez l'huile Nature Secret de une cuillère aussi dans votre mélange. Ok, mes dolls, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre ça sur l'écran. Ok. Maintenant, pour les crèmes, utilisez la crème de votre choix. Hein. Utilisez la crème Alloderm là. Moi, j'ai déjà fait une composition qui est déjà finie. Ok, une composition de ma beurre de karité que je mets depuis que j'ai arrêté mon gommage. Ok, j'ai déjà fait une composition que j'ai utilisée Alloderm. Mais quand je suis reparti au marché, je n'ai pas Alloderm. C'est nulle part retrouvé, donc j'ai pris la crème la Neutrotone. Ok, utilisez n'importe quelle crème de votre choix. Si vous tombez sur Alloderm, vous pouvez prendre ça, ou bien n'importe quelle crème de votre choix que vous aimez. Ok, maintenant nous allons utiliser l'huile de chez moi, huile anti bobo, anti point blanc, anti veine, anti végétation. Ok. Huile raffermissant, ok, huile traitant, c'est une huile traitant de chez moi. Si vous voulez, vous pouvez passer la commande, ok. Je mets mon huile traitant de chez moi, ok, d'accord, et je mélange. Regardez-moi la texture. Is yummy. Ok. Je vais renverser. Vous avez vu, non? Vous avez vu. J'ai un gobelet ici que j'utilise. Vous avez vu. C'est ce que j'ai utilisé. J'ai